Nous sommes avec François Brancon d'Infinity Europe, que je vais laisser se présenter. Bon, en fait, je ne suis pas Infinity Europe, mais Infinity Monde, puisque je travaille à Tokyo sur l'ensemble de la gamme Infinity. Okay. Donc le siège Infinity va bientôt bouger à... est en train de bouger à Hong Kong. Ça dénote vraiment de la volonté de la marque de se repositionner mondialement ? Non, je crois qu'il y a deux choses qui font que d'abord c'est bon de bouger pour donner un peu d'oxygène à l'organisation. Ensuite, c'est vrai que bon, Infinity est une marque japonaise, qu'on le veuille ou non. Hong Kong est une place stratégique qui rayonne sur toute l'Asie et au-delà de l'Asie, même sur l'Europe, en termes d'organisation, financement, etc. Et en plus, je pense que c'était bien qu'Infinity sorte de l'environnement de Nissan pour devenir plus indépendant, plus unique, plus Infinity. Donc pourquoi pas Hong Kong ? Et à propos du Japon, Infinity n'est toujours pas présent commercialement dans le pays, contrairement à Lexus qui commence à s'implanter en tant que marque propre. Est-ce que c'est un objectif moyen terme pour la marque ? J'ai pas de religion là-dessus. J'ai pas de réponse non plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. On vend des produits Infinity sous un badge différent au Japon pour un problème de contexte de distribution qui est très très compliqué au Japon. Bon, je pense qu'il n'est pas ridicule de penser que dans les années à venir, et je ne sais pas quand, on sera au Japon comme on est ailleurs. Alors, on n'a pas d'objectif chiffré. Plus exactement, on en a, mais on ne les communique pas parce que ça ne veut rien dire. Ce qu'on a, c'est une ambition. D'une part, une ambition internationale, non pas seulement européenne. Et bon... il est clair qu'on ne peut pas être crédible internationalement si on n'est pas crédible en Europe, qui est quand même le berceau des marques premium et de luxe. Donc on va pousser fort Infinity partout où on peut. Ça restera step by step, étape par étape, mais on peut attendre d'ici 2015 des changements assez radicaux sur Infinity. On doit exister dans tous les pays européens de façon significative. Et je ne donne pas de nombre parce que bon, les nombres à ce niveau-là ne veulent pas dire grand-chose. Alors toujours au sujet de l'Europe, on a une offre commerciale qui est en train de vraiment de s'adapter au goût du marché avec la nouvelle Q50, qui également répond à une demande des roueurs longue durée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'articulation de sa gamme et de la manière dont vous allez répondre aux spécificités du marché européen ? Oui, alors la Q50... c'est à la fois une voiture globale qui est vendue aux États-Unis, en Chine, en Europe. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est maintenant une voiture européenne. C'est-à-dire qu'elle répond aux critères, notamment pour les flottes, mais pas seulement, à tous les critères européens de la concurrence, que ce soit Mercedes, BMW ou autre. On prend un risque, parce que comme on n'est pas gros, c'est toujours un risque. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Et tous les produits qui vont suivre, et il y en a pour Infinity en Europe, seront... sans compromis vis-à-vis des attentes du client européen. Client flotte, client retail, individuel, plus de compromis. En termes de silhouette, pour le moment, on est relativement éloigné des attentes des Européens, dans la mesure où Infinity n'est pas une marque vraiment centrée sur l'Europe, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres déclinaisons ? Pas forcément pour ce modèle-là, parce que le break n'a pas l'air d'être confirmé, mais pour d'autres véhicules ? Bon, la réponse est oui, et je ne dirai pas quoi, mais il est clair que faire une berline tricore en Europe, ce n'est pas forcément la meilleure façon de captiver le marché européen. Ceci dit, c'est un marché qui existe dans le premium. Quand on voit ce que fait la concurrence sur cette catégorie, ce n'est pas négligeable. Donc on va essayer de jouer notre jeu là-dedans. Mais il est clair que les produits à venir seront probablement beaucoup plus... acceptable par le marché européen. Je pense à probablement des 5 portes, des choses comme ça. Avec un côté Infinity, c'est-à-dire on ne se bat pas sur le même terrain que les autres, d'abord parce qu'ils le font très bien, et qu'ensuite on pense qu'il y a une grosse partie de la clientèle, notamment la partie jeune de la clientèle luxe, qui veut autre chose, définitivement autre chose. Ils en ont marre des trucs qui sont les mêmes depuis 20 ans. Et c'est une opportunité forte pour nous. La moyenne d'âge actuellement de la clientèle européenne pour Infinity, ça se situe autour d'à peu près quel secteur
Bon, on est dans les plus jeunes, ça ne signifie pas qu'ils sont jeunes. Disons, le marché du premium en Europe, l'échelle d'âge, c'est entre 50 et, on va dire, 70 ans. Hein. C'est à peu près là que la démographie de l'acheteur premium luxe est. La chance d'Infiniti, c'est qu'on a tendance à intéresser la partie la plus jeune de cet échantillon. Et on pense en plus, je pense en tout cas, qu'il y a une partie de clientèle qui est en train de bouger vers le premium. Des gens qui disent 40 ans, je fais suffisamment d'argent. Tiens, si je pensais à moi un peu, après avoir eu deux enfants, etc. Et cette partie-là, il faut absolument qu'on la gagne. Et comment définiriez-vous l'originalité de la marque Infiniti par rapport aux trois premiums vraiment établis en Europe? Je dirais, c'est difficile en deux mots. Si j'avais un mot à utiliser pour ça, je dirais sensualité. Le marché du luxe n'est pas connu pour être éminemment créatif. C'est-à-dire des décennies de véhicules, notamment allemands. Que ce soit Audi, BMW ou Mercedes, ça ne change pas l'histoire. Je pense qu'on a une opportunité d'apporter de l'émotion, de la sensualité, un luxe un peu plus décontracté, un peu plus chaleureux qu'il n'est aujourd'hui. Enfin, une dernière question. Je sais qu'on n'aime pas trop parler de volume, mais est-ce qu'il y a des attentes, ne serait-ce qu'un minimum syndical en Europe ou un objectif fixé par la marque ? Non, on n'a pas fixé d'objectif en Europe. On a des objectifs, évidemment. On fait pas de, on est des businessmen. On n'a pas fixé d'objectif chiffré. D'abord parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le succès d'une marque. Et on veut vraiment installer la marque. Et installer une marque, ce n'est pas forcément la meilleure façon. Ce n'est pas forcément de pousser les volumes, nanana. Il faut déjà qu'on existe, qu'on soit reconnu, que les gens sachent qui on est. Et le reste suivra. Merci beaucoup.